Bonjour Madame Boussaina. Bonjour Joëna, bonjour tout le monde. Good morning. Bonjour. I think we can start right now. Yeah. Okay. So this is really wonderful. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. So we are really happy to have this session today. Actually, it's a quite special session because it's gathering many colleagues like from Tunisia, from Africa, the whole continent, let's say, and our friends also from IFOAM. So I would thank everyone for participating in this session. We will be trying to talk in English and also in French in the same time because most of participants here are understanding French and also English. So I hope that we can manage this. Donc bonjour tout le monde. Je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette session. Cette session qui est un peu particulière parce que elle regroupe nos amis de la Tunisie et d'autres qui sont de tout le continent africain et nos amis aussi de l'IFOAM. Donc cette session ça sera sur le SPG, donc le système participatif de garantie, comme une stratégie de sensibilisation pour booster donc les systèmes d'alimentation durable. So today we are really pleased to welcome Rima Slouthi. She is the president of the Tunisian Association of Permaculture, and the colleagues also Rima Gdari and Nadeh Trigi from the association. And I would welcome also my colleagues from the Technical Center for Organic Agriculture. And so I will be starting with my colleague Haitham Al-Wehar to present the Technical Center. Then I will go directly to Rim and to Rima for the presentation of the association. Haitham, à vous la parole. Donc vous pouvez maintenant présenter le Centre technique de l'agriculture biologique. D'accord, bonjour tout le monde. Donc, je commence à partager ma communication. C'est bon? D'accord. Donc, ma communication intitulée Le Centre technique de l'agriculture biologique, activité et mission. Donc, je vais essayer de présenter les activités et les missions brièvement du Centre technique de l'agriculture biologique. Au début, le Centre technique de l'agriculture biologique a été créé dans le cadre de la loi 96. Je crois qu'il y a un problème de connexion. 99, relative à la création et l'approbation de son statut juridique. Les missions générales du CTAP. Il y a beaucoup de missions, mais juste, je vais donner brièvement la synthèse de ces missions. Premièrement, l'adaptation des applications des acquis de la recherche. Établir une banque d'informations relative à des techniques réalisées, des études réalisées dans le domaine de l'actu biologique. Promouvoir l'actu biologique à travers la formation et le recyclage de l'assistance technique des agriculteurs. Et promouvoir la coopération nationale et internationale. Les missions spécifiques du CTAP maintenant. En fait, il y a beaucoup de missions spécifiques, mais aussi c'est une synthèse de ces missions. Premièrement, proposer aux établissements de l'enseignement et de la recherche des thèmes de recherche spécifiques à l'agriculture biologique et à l'agriculture durable aussi. Œuvrer au développement des techniques spécifiques à la production animale et végétale, à la valorisation des productions de la matière organique, à la lutte biologique,
à la transformation et la valorisation des produits bio et beaucoup d'autres thèmes spécifiques à l'agriculture biologique et de l'agriculture durable. Il y a aussi adaptation des acquis de recherche et mettre en point des techniques appropriées économiquement pour les agriculteurs, pour pouvoir les adapter sur le terrain. Il y a aussi la publication et la diffusion des documents, des dépliants techniques et il y a aussi une revue périodique relative à l'agriculture biologique. On trouve là-dedans des articles scientifiques relatifs à l'agriculture biologique en Tunisie et dans le monde. Œuvrer à des expérimentations à la station d'UCTAP et chez les agriculteurs. Et aussi à la participation, aussi, l'UCTAP participe à l'élaboration de la carte spécifique bio en Tunisie. Concernant les activités d'UCTAP maintenant, en fait, il y a trois axes principaux qui concernent les activités d'UCTAP. Le premier axe, c'est la formation. Le deuxième axe, c'est la recherche appliquée et évaluation des acquis de recherche. Et le troisième axe, c'est la communication. Concernant la formation, il y a aussi trois grands petits axes aussi, ou bien des orientations dans le cadre de la formation. Il y a premièrement la formation des agriculteurs et des agents techniques appartenant à des établissements publics et privés. En moyenne, l'UCTAP organise en moyenne 2 sessions de formation par an et touche en moyenne 370 agriculteurs et techniciens et ingénieurs. C'est une moyenne annuelle calculée sur 10 ans. La deuxième orientation, c'est la formation des étudiants et des jeunes promoteurs. Dans ce cas, l'UCTAP participe aussi à la formation des encadrements des étudiants. Le nombre moyen est de 27 étudiants et promoteurs dans le cadre de travail, dans le cadre de l'élaboration de leur étude de projet ou bien le travail de PFE, le travail de fin d'étude. La troisième orientation, c'est la formation à l'échelle internationale. C'est une formation orientée pour les délégations et les groupes étrangers qui viennent en Tunisie ou dans le cadre d'une coopération internationale. Il y a beaucoup de groupes qui ont bénéficié d'une formation du CTAP. Il y a des groupes saoudiens, des jordaniens, des syriens, des libanais. C'est les principaux groupes étrangers qui ont bénéficié de ces groupes. Ces formations sont organisées en moyenne deux formations par an. Concernant la recherche appliquée et valorisation des acquis de recherche, c'est une activité qui concerne deux axes. Le premier axe, c'est l'adaptation des résultats de la recherche à travers des expérimentations chez des agriculteurs ou des stations appartenant à des organismes étatiques ou privés, ou bien il y a les expérimentations à la station propre d'UCTAP à Châtelet-Malières. Concernant l'adaptation des résultats de recherche, l'UCTAP établit annuellement environ 20 parcelles pilotes d'expérimentation ou de démonstration chez des agriculteurs biologiques ou chez des organismes agricoles, se trouvant sur différentes régions de la Tunisie et touchant plusieurs axes. Ces activités, bien sûr, ont l'objectif d'adapter les acquis de recherche selon les propres conditions climatiques sol de chaque région. Le deuxième axe, la deuxième partie de cette activité, c'est l'expérimentation à la station d'UCTAP. L'UCTAP entreprend annuellement à sa station expérimentale à Châtelet-Malières dans la superficie de 4 hectares, en moyenne 20 essais expérimentaux relatifs à l'optimisation des diverses techniques de la production agricole biologique. Les thèmes et les axes de travail sont divers, diversifiés. L'adaptation variétale, la production de semences, plants, la fertilisation organique et plusieurs autres thèmes et activités. Même les aspects économiques aussi. Concernant le troisième axe des activités d'UCTAP, c'est la communication. Elle comprend
les rencontres, les manifestations, l'assistance et l'encadrement, et l'édition du documentaire, l'édition documentaire aussi. Les rencontres sont bien sûr représentent la participation des séminaires locaux, nationaux, internationaux, régionaux aussi, les ateliers de travail. Elles sont en moyenne de 50 par an. Et qui ont pour objectif la sensibilisation sur les bases et principes de l'agriculture biologique. Concernant les manifestations, principalement les foires, les salons nationaux et internationaux, en moyenne, l'OCTAB participe à 10 manifestations par an. Et c'est une occasion aussi de rencontres et d'échanges d'expériences avec les participants sur ces manifestations. Concernant l'assistance et l'encadrement technique, l'OCTAB, c'est une activité très importante pour l'OCTAB. En fait, l'OCTAB réalise en moyenne 70 visites techniques chez les opérateurs. Donc, ce sont des visites d'encadrement et d'assistance technique sur le terrain. En plus, l'OCTAB reçoit dans sa station, à sa station aussi, en moyenne 40 visites de la part des groupes correspondant des opérateurs ou des techniciens. L'édition du documentaire et site web, l'OCTAB dispose d'une base de données très importante. En fait, l'OCTAB dispose fait l'édition et la diffusion des dépliants techniques qui sont au nombre de 34. Il y a aussi les documents techniques qui sont au nombre de 22. Il y a aussi une revue spécifique à l'actu biologique avec une édition de 3 numéros par an. Et aussi la publication des informations, des actualités et d'autres informations sur notre site web www.octab.net. Il y a aussi un autre axe très important aussi des activités, c'est la coopération nationale et internationale. Du fait, c'est un choix adopté par l'OCTAB pour développer le secteur bio en Tunisie. C'est pour cette raison que l'OCTAB a conclu plusieurs conventions de coopération et a participé dans plusieurs études et projets à l'échelle régionale, nationale et internationale. Parmi les organismes en site, le FIBEL, JZ, les FOAM et bien d'autres organismes internationaux. Concernant la certification de qualité, pour avoir une meilleure activité, transparence, qualité des services. L'OCTAB dispose d'une certification biologique propre à la parcelle pilote, et ceci depuis 2001, même avant la création du CTAP, fourni par l'organisme ECOCERT. L'OCTAB aussi dispose d'une certification Marhaba propre à la qualité de service et celui depuis 2010. Mais aussi, on a opté pour une certification de qualité ISO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 propre à la version 2018 et ceci depuis 2013. Et voilà, c'est une représentation synthétique de l'activité de CAP. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Haitham. Très bien. Donc, on passe maintenant. J'espère que j'ai respecté le temps. Non, tu as dépassé un petit peu le temps. mais non, ça reste toujours très bien parce que nos collègues donc, de l'Afrique. Veulent savoir donc plus de détails sur les activités du Centre technique de l'agriculture biologique et peut-être ça sera l'occasion donc pour établir même des collaborations avec leur organisme de travail. Merci beaucoup Haitham. Donc on passe maintenant à
donc Madame Rim Masdouti ou bien Rim Akhtari, donc pour présenter l'association tunisienne de permaculture. À vous de la parole. Ok, bonjour tout le monde, c'est Rim Akhtari de l'association tunisienne de permaculture, je suis la chargée de communication. Et je vous souhaite la bienvenue d'abord. Je suis désolée, j'ai la voix cassée parce que je suis un peu malade. Mais je vais essayer de lever ma voix quand même. Je vais partager avec vous quelque chose. C'est la présentation de l'association tunisienne. Donc, est-ce que vous voyez ? Haïssem, peux-tu arrêter le partage de votre écran, s'il te plaît? Merci. Et, vous pouvez aller directement à la barre où il y a écran partagé et vous cliquez pour arrêter le partage. Mais je crois que ça marche aussi si tu veux essayer. Ok, great. Rima? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors. Alors, donc, je commence par... vous présenter l'association. L'association tunisienne de permaculture a été créée en 2015. Elle a pour objectif de diffuser la permaculture, de mettre les acteurs en réseau et de développer des projets en permaculture et en agroécologie. Les actions de l'association tunisienne de permaculture sont principalement l'accompagnement, la sensibilisation, la conservation et l'information. L'accompagnement. Pour promouvoir la permaculture et convaincre qu'elle est ouverte à tous, viable, durable, économique et rentable, l'Association tunisienne de permaculture a créé le programme Plante à ferme. Ce programme propose l'accompagnement de 50 micro-fermes en permaculture dans les régions, la création d'emplois verts et la dynamisation socio-économique des régions rurales. Le deuxième point, c'est la sensibilisation. La permaculture n'est pas réservée au monde paysan, co-paysan. Tout Tunisien a droit d'être informé de projets alternatifs et de choisir son cadre de vie et comment il souhaite se nourrir. Nous sensibilisons le public, enfants et adultes, à travers des ateliers et des manifestations telles que la fête des semences qui s'est organisée il y a 2 mois au Belvédère. La troisième, c'est la conservation. Le but de l'association tunisienne, c'est la conservation. La question des semences libres et reproductibles nous tient à cœur. Les semences sont à la base de toute production alimentaire. Cette production ne saurait être soutenable sans semences de qualité librement reproductibles. Grâce aux semences paysannes, on travaille sur le projet Semences paysannes. Nous avons récemment signé une convention avec la Banque des Gènes et allons essayer de créer des maisons de semences dans les régions à l'intérieur de la Tunisie, telles que Sousse ou bien le sud, à Gerjis. Nous avons l'information. Dans un contexte de changement mondial, de société en mutation climatique, nous organisons des acteurs de changement pour créer des débats, des synergies et construire des visions pour la société de demain. Mais aussi, on fait de la vulgarisation de l'information. Nous avons un MOOC, des cours en ligne, qui propose de la vulgarisation sur la question des semences. Et enfin, nous avons le projet circuit court, celui de ma collègue Nadé. C'est le premier SPG en
Tunisie. Et, excusez-moi, donc c'est les circuits courts en Tunisie, mettre le consommateur et l'agriculteur directement en lien pour pouvoir donner une alternative à la question de l'alimentation. Je vais laisser. Normalement, j'ai fait le tour. J'ai pas vraiment. Je voulais pas m'étaler. C'est tout. Merci beaucoup, Elima. Je vois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont vraiment très pertinentes et qui vont booster l'agriculture ou bien le concept de la permaculture en Tunisie. Bravo. Donc, je peux aussi m'adresser ici à Nadé ou bien à Lim si elles veulent donc ajouter quelque chose. Juste, Samahni, comme je me permets de prendre la parole rapidement. Donc, merci Lima pour la présentation. C'est vrai que Ahna, c'est très important pour nous aussi de travailler avec les institutions publiques. C'est-à-dire que pour le projet Semences Paysannes, on a un partenariat avec la Banque des Gènes. C'est très important parce que pour nous, l'association, la durabilité de l'association est toujours très relative. Aujourd'hui, nous sommes là, mais ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment d'inscrire nos objectifs aussi de l'agriculture résiliente dans laquelle il y a la multiplication et la conservation des semences paysannes, la nourriture saine et l'agroécologie notamment, d'inscrire ça dans les politiques publiques. Et c'est pour cela que nous favorisons vraiment, vraiment les partenariats avec les institutions publiques, l'Agence de vulgarisation et de la formation professionnelle avec qui nous travaillons, la Banque des Gènes, les institutions de recherche également, vous comme Centre technique de l'agriculture biologique également. Donc pour nous, ça, c'est simplement ce que je voulais ajouter, le partenariat avec les institutions publiques, mais également des partenariats avec des organisations internationales comme l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire, dont nous sommes membres, de laquelle nous sommes membres, pour des stratégies plus africaines aussi tournées vers l'Afrique, parce que nous avons aussi les mêmes problématiques et les mêmes objectifs que l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire. Voilà, merci. Je laisse Nédé peut-être expliquer plus en détail le programme des circuits courts. Johanna, ton micro est éteint. Merci Elim, je n'ai pas fait attention à ça. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et je vais vous demander aussi de poster sur chat donc, le lien de votre site web, sinon aussi du Facebook, pour que nos amis peuvent accéder à vos pages et vous contacter directement, parce qu'il y a parmi nous pas mal d'amis qui travaillent dans des organisations africaines qui sont très connues aussi en agroécologie. Merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'on peut y passer. Donc Nédé, si vous voulez donc prendre la parole pour quelques mots avant de passer donc à la micro-session suivante. Bonjour tout le monde. Merci Johanna pour nous avoir conviés à cette formation. Merci tout le monde pour votre présence. Je remercie aussi les membres de mon équipe qui ont très bien présenté l'association. Peut-être que je vais faire un point sur spécialement le projet SPG en Tunisie que l'association mène depuis 2020. Alors, le projet s'appelle Projet Nourriture Citoyenne. Et le choix du titre Nourriture citoyenne s'inscrit dans la démarche de l'ATP de renforcer les systèmes alimentaires résilients dans une optique qui s'inscrit dans un contexte mondial où le changement climatique devient une réalité, où
Il y a des problèmes pour les agriculteurs pour se financer. Il y a un problème majeur en Tunisie de dégradation des sols. Et aussi, il y a un vrai problème par rapport à l'information du consommateur par rapport à ce qu'il mange. Nous sommes en face d'une situation où 40% du budget familial annuel va vers l'alimentation, et pourtant les consommateurs ne savent rien du tout à propos de leur alimentation, ni où elle a été plantée, ni qui l'a plantée, ni les pratiques agricoles qui ont été entreprises pour avoir ce produit final. Les recherches sont un peu effrayantes par rapport à au taux de contamination par les pesticides des aliments qui sont dans le marché. Donc, il est grand temps pour nous tous de réaliser que les partenariats entre consommateurs et producteurs sont la clé de l'avenir par rapport à notre alimentation et par rapport aussi à la construction de systèmes alimentaires plus durables pour l'environnement et pour la santé et aussi pour l'économie de l'agriculteur qui, s'il ne continue pas, s'il n'arrive pas à avoir une vie économiquement durable, il arrêtera son activité. Donc, voici la réflexion primaire par rapport au projet SPG. Nous avons une première expérience qui est en cours. Nous avons un cahier de charges qui s'approche de l'étape de validation. Je m'étalerai plus sur ce sujet plus tard. Merci, Jérôme. Merci beaucoup, Nede. Donc, on passe maintenant donc à la micro-session donc, où je vais présenter le PGS comme une stratégie donc, de sensibilisation pour booster donc, les systèmes alimentaires durables. Et dans cette micro-session, ma collègue Khawla Mokrani va m'aider parce qu'on va faire une exposition d'une présentation en anglais, donc je vais parler en anglais. Et puis, donc, sur le même slide, Khawla va traduire en français. Donc, ça va être donc, une action en double, mais pour garantir que tout le monde va comprendre ce qu'on va aborder maintenant. Donc, permettez-moi donc, de partager mon écran. Donc, on va vers la présentation. Okay. Okay, so right now we are going to talk about the PGS as an awareness strategy to enhance sustainable food systems. In this micro session, my colleague Khawla Mokrani will be helping me on this in French. So in every slide, I'll be speaking in English, and then Khawla will be talking in French. So why we are going to talk about PGS today? So if we want to know it by definition from IFOAM, the Participatory Guarantee System, PGS, are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks, and knowledge exchange. It's based on six principal elements: common vision, trust, horizontality, transparency, participation, and learning process. Khawla? Donc, aujourd'hui, on va animer une session sur la stratégie de sensibilisation pour promouvoir les systèmes d'alimentation durable. Donc, la session sera animée par ma collègue Jorena Rieri et je vais faire la traduction directement. Donc, les systèmes participatifs de garantie sont des systèmes d'assurance qualité orientés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseau et d'échange de connaissances. Donc, ils nécessitent une vision commune, confiance, horizontalité, transparence, participation et apprentissage continu. Back to you, Jorena. Thank you, Khawla. Okay, so why it's important to adopt it? Actually, here I will be explaining the six points that we have revealed. So for the common vision, actually it's a shared vision also that we can call, and it's where the key stakeholders, so we are talking here about producers and
NGOs, traders, consumers, and even governments collectively support the core principles guiding what the PGS is trying to achieve. These principles are used to guide both production standards and the roles of how the PGS will operate. The vision can embrace organic production goals as well as goals relating to standards, social justice, fair trade, respect for ecosystems, the autonomy for local communities, cultural differences. For trust, trust is built from the idea that key stakeholders collectively develop their shared vision and then collectively continue to shape and reinforce their vision through the PGS. The idea of trust assumes that individual producer has a commitment to protect nature and consumers' health through organic production. Khawla? Donc, pourquoi c'est important? Dans ce qui suit, on va détailler les parties qu'on vient de dire auparavant. Donc, tout d'abord, la vision commune, c'est le point de départ d'un système SDG où les acteurs principaux identifient collectivement et s'engagent à soutenir les principes qui déterminent les objectifs et les buts du SDG. La vision commune peut comprendre des buts de production biologique, les objectifs relatifs aux normes, la justice sociale, le commerce équitable, le respect des écosystèmes, l'autonomie des communautés locales, les différences culturelles. La confiance, la SPG s'appuie sur une démarche axée sur l'intégralité. Celle-ci est basée sur l'idée que l'on peut faire confiance aux producteurs et que le système de garantie biologique peut être l'expression et la vérification de cette confiance. La confiance est construite par les acteurs créés grâce au développement collectif d'une vision commune. Back to you, Jemaina. So, for the other points, horizontality. What's meant by horizontality? It's where PGS here are intended to be non-hierarchical. Sorry, because I have always problems in the spelling of this word. So this reflects in the overall democratic structure and through the collective responsibility of the PGS. So here they are sharing and rotating responsibility. They are engaging producers directly in the peer review of each other farmers. And there is transparency in decision-making processes. For transparency, transparency is actually created by having all stakeholders, including producers, consumers, aware of exactly how the guarantee system works to include the standards, the organic guarantee process, the norms, and how decisions are made. This does not mean that every detail is known by everyone, but rather they have at least a basic understanding of how the system functions or have a way to find out. Khawla? Khawla, are you here? Okay, so maybe we'll be waiting a little bit. Otherwise. Okay, so I'll be maybe going to the second, to the other slide, to the next slide, and then Khawla, she will be back on this. Okay, so for participation is an essential and dynamic part of PGS. Key stakeholders, producers, consumers, retailers, and traders, and others are engaged in the initial design and then the operation of the PGS. In the operation of PGS, stakeholders, including for sure the producers, are involved in decision-making and essential decisions about the operation of the PGS itself. For the last point, which is the continued learning process, this is actually assumed when the exchange of ideas and experiences is a continued process. So where the learning process here takes place and becomes a continuous dynamic of the PGS. So the process includes technical elements that contribute, for example, to knowledge of standards and organic practices.
A social learning process occurs when different actors get to know each other and become aware of each other's situations by participating in the PGS. So here the achievements are fundamental for the PGS project, and they contribute to the development of its components to consolidate trust between actors and confidence in the PGS process. Is Raoula back? Okay. I think she has a problem. Oh, yeah. So I don't know if you can summarize just some key points in French. I'll try to type in the chat. Okay. But otherwise, if you can just verbally say a few key words. Okay. So Raoula is here. I think she has come back here. Okay. So she will be speaking right now. Okay. She will be writing on the chat this. So to gain time, and then we will be... It's great. We're having a group effort. Lots of people are helping with translation in the chat. Yeah, great. Thank you so much. Okay. So here, what are the steps for developing a participatory guarantee system? So first of all, we are going to analyze the situation. So the producers here will be gathering and they will be identifying the context of their farms. Then the actors should share a common vision. And when we say actors here, always it starts by the producers, but also with consumers and also with people or actors that are involved in the value chain. So they will be like identifying a common objectives and they will be doing a commitment for that. So as a third step, they will be getting accordance and document on PGS process. So they will be attending like this some webinars to understand what's meant by PGS, how they will be doing it. And for sure, they will be in need of some experts that will be monitoring their work. So then they will be get informed by the standards and make a commitment. So they will be writing all the, how can I say, the activities that start from the farm, from sowing till the harvesting, and the consumers should be aware and should know in every step or in the whole process what the farmer is going to do. And then they will map also the farm and record the agriculture data. And then they will be doing the internal preparation. So here, the peer review. So they will be writing all the clauses and the things that are really important as a commitment for them. So the commitment is between the producer and the consumer. And then they will proceed to the certification decision. And so here, by this circle, we are building a whole community for food system. And by definition, a community food system is one in which food production, processing, distribution, and consumption are geographically integrated and benefit the environment, economy, and social and nutritional health of a particular community. It's a whole concept. So, yeah. So, donc, les étapes d'élaboration d'un système participatif de garantie. Tout d'abord, l'analyse de la situation. Ensuite, les acteurs partagent une vision commune, s'accordent et documentent les fonctionnements SPG. Ils font connaître le cahier des charges et ils s'engagent davantage. Ils font la cartographie de la ferme et enregistrent les données agricoles. Par la suite, il y a la préparation interne et l'évaluation par les pairs. Et enfin, il y en a la décision de la certification. Donc, toutes ces étapes vont servir à faire une communauté de système alimentaire qui contient la production, la transformation, la distribution et la consommation. Back to Johanna.
Johanna, you're on mute. Yeah, so here, how could PGS sustain resilient food systems? So we were talking about PGS, so we have defined it, we have seen the elements, how to establish PGS. So what is really the relationship between the PGS and the food system? So by definition, I have here some like extracts from some scientific papers and also from Google. Then I will be posting for you the references of all of these things. So by definition, what is a food system? Food systems are the sum of actors and interactions along the food value chain, from input supply and production of crops, livestock, fish, and other agricultural commodities to transportation, processing, retailing, wholesaling, and preparation of foods to consumption and disposal. And how does this food system works? The food system actually includes all processes involved in keeping us fed. So it's really important to follow all these steps, starting from the growing, the harvesting, processing, packaging, till reaching the consuming and disposing of food and food packages. It also includes the inputs needed and outputs generated at each step. Paula? Donc, en fait, Johanna possède beaucoup de documentation sur le système participatif de garantie. Elle va les poster ultérieurement dans le chat. Ici, on va discuter comment le système participatif de garantie pourrait-il soutenir des systèmes alimentaires résilients. Tout d'abord, on va commencer par la question « Qu'est-ce qu'un système alimentaire ?» Les systèmes alimentaires sont la somme des acteurs et des interactions tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, depuis l'approvisionnement en intrants et la production des cultures de bétail, de poissons et d'autres produits agricoles jusqu'au transport, la transformation, la vente en détail, la vente en gros et la préparation des aliments à la consommation et à l'élimination. Comment fonctionne le système alimentaire? Le système alimentaire comprend tout le processus impliqué dans notre alimentation, la culture, la récolte, la transformation, l'emballage, le transport, la commercialisation, la consommation et l'élimination des aliments et des usages alimentaires. Il comprend également les entrées nécessaires et les sorties générées à chaque étape. Back to Johanna. So we were talking about food system. So here, what is a resilient food system or a sustainable food system? It's actually the capacity of people to produce and access nutritious and culturally acceptable food over time and space in the face of disturbance and the change. And how do we create this resilient food system? It's in one way in which we can hope to increase the resilience or the sustainability of the global food system is by supporting a wider range of suppliers, by diversifying away from a centralized supply chain to a more multifaceted one. We can increase the food system's ability to react and adapt to shocks. And here we are talking about also creating the the short circuits for food systems. And so to get in a close connection, the producer to consumers. So the consumers will be aware about what the farmer is producing for them, and they will be valorizing his work. These definitions, let's say, or these answers for these questions, I have taken from a scientific paper, which is here, Realizing Resilient Food Systems. So for anyone who wants to read more about it, he can access to this scientific paper. So here, Paula. Paula, you're on mute.
Donc, dans la diapo précédente, on a discuté les systèmes alimentaires. Ici, on va discuter les systèmes alimentaires résilients. C'est en fait la capacité des personnes à produire et à accéder à des aliments nutritifs et culturels acceptables dans le temps et dans l'espace face aux perturbations et aux changements. Comment créer un système alimentaire résilient? L'un des moyens par lesquels nous pouvons espérer augmenter la résilience d'un système alimentaire mondial consiste à soutenir un plus large éventail de fournisseurs en nous diversifiant d'une chaîne d'approvisionnement centralisée à une chaîne plus multiforme. Nous pouvons augmenter la capacité du système alimentaire à réagir et à s'adapter. Ici, Johanna a posté la référence de laquelle elle a pris ces informations. Donc, vous pouvez consulter directement l'article scientifique. Back to Johanna. Merci, Raoula. Donc, je veux ajouter quelque chose ici. Pourquoi on a parlé de tout ça? Parce qu'on vise aussi de créer donc, les circuits courts pour la commercialisation des produits donc, biologiques ou bien des produits qui sont issus de l'agroécologie et pour garantir donc, un système alimentaire qui est durable. So here I move on to the next slide. So ways with the connection. Okay. So here, I guess my colleagues from ULSA knows more about this picture that I have taken it from the document enabling food, enabling sustainable food systems. And what is really interesting and so lovely, it's how they have divided all the value chains in the sustainable food systems in four packages. And so the first one is like engaging consumers. So it contains like attracting consumers and keeping them engaged. Then knowing your markets. So for the consumers, it's really important to know the markets and where they can find also their products. Finding the right price. For the second batch is about producing sustainably, which we can see here an interest on knowledge. So sharing and co-creating knowledge for sustainable production and managing and accessing sustainable inputs. The fourth batch is about getting products to market, staying connected through logistics, packaging for sustainability, guarantees for sustainability. And in the last package, we can find getting organized. So here we can see innovative finance, formalizing your collective work, bringing in partners and advocating. Why I have revealed the concept of this schema of actually enabling sustainable food systems, because this concept we have to adapt it on PGS, on participatory guarantee systems. Because we have understand also through our course in the Ecological Organic Agriculture Leadership course that every actor in the value chain of food system is really important. We do not and we should not exclude someone from this whole chain. Like for example, the intermediates. Once we were talking about, yes, we can do PGS by excluding intermediates. No, they are still integrated in this whole chain, but also we can like organize their work because for the producers and the consumers, it's okay to get in touch and to have that short circuits for getting the production. But if the producer aims to enlarge his market, then he will be in need of these intermediaries. And so if we adapt the concept of PGS to the concept of sustainable food system, it will be really excellent
and it will be working in a good way. And in this also, I would really thank you all the testimonies that have come from our colleagues from ULSA, like Kanangwa, like Busisiwe. I remember what they were talking about. Kanangwa were talking about, yes, she was really frustrated by the actions of intermediates, but she has also said, also it's really impossible for a producer to work alone. So in another term, we have always to adapt our strategies. Here, I don't know, I should ask Khawla if it's... Ici, nos collègues de cours de l'IOSA connaissent bien cette image qui est prise de bouquin Système alimentaire durable. Donc, ce bouquin contient tout d'abord mobilité des consommateurs qui contient trois sous-chapitres, attirer les consommateurs et les fidéliser, connaître vos marchés, trouver le bon prix. Le deuxième chapitre, c'est la mise en marché des produits qui contient trois sous-chapitres. Rester connecté grâce à la logistique, emballage de qualité et durable, garantir la durabilité. Le troisième chapitre, c'est produire durablement. Il y a deux sous-chapitres, partage et co-création des connaissances pour une production durable, gérance et accès aux intrants. Le quatrième chapitre, c'est comment s'organiser, qui contient encore trois sous-chapitres, les financements innovants, formaliser votre travail objectif, la place des partenaires et des plaidoyers. Donc, pourquoi Jorène a révélé ce concept? Parce qu'elle croit qu'on doit adapter ce concept au projet PGS. On a compris que les acteurs sont importants et on ne peut pas exclure un acteur de la chaîne de valeur. Par exemple, les intermédiaires, on ne peut pas exclure les intermédiaires de la chaîne de valeur. À l'inverse, on doit les inclure et l'impliquer tout au long de la chaîne. On peut organiser ce secteur. Cet intermédiaire peut faire le lien entre le consommateur et le producteur. Jouhaine a encore révélé le point des testimonies de nos collègues de l'Afrique, par exemple Kanangwa qui a mis le point sur l'importance de connaître tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur ensemble. Par exemple, elle a dit que le producteur tout seul ne peut pas changer trop dans la situation actuelle. Back to Jouhaine. Okay, so why we are talking about PGS today? Actually, it was an idea that has started from our transfer project in North Africa. So we've been like doing a draft of a concept that is based on creating a network for PGS knowledge dissemination through digital tools. And we've been thinking to conduct a regional advocacy. And so it will be like leaded by the Technical Center for Organic Agriculture, TAB, in Tunisia. By SECAM and also the University of Heliopolis from Egypt and from Morocco, from the side of FIMABIO, and also in collaboration with RIAM that has leaded the action of PGS in Morocco. So together we've been learning about PGS and we wanted to implement this and to start to build our transfer project through the Ecological Organic Agriculture Leadership course, and that's why today my presentation was, or the session was about PGS. Khawla? Thank you.
Donc, pourquoi on a parlé de PGS aujourd'hui? Ça vient de l'idée de notre projet de transfert lors du cours de l'EOLC. Donc, on a implementé un projet sur la dissémination des connaissances sur les systèmes participatifs de garantie au moyen des outils numériques. Donc, nous voulons implémenter un plaidoyer régional. Donc, ce plaidoyer sera guidé par le Centre technique de la lecture biologique avec nos partenaires qui sont le SECEM et l'Université Héliopolis à l'Égypte et le FIMABIO au Maroc. Donc, back to Johanna. Merci, Khaoula. Aussi, je veux ajouter que cette idée aussi, elle a été plus, comment dirais-je, élaborée lorsqu'on a, on a eu donc des sessions spéciales avec aussi notre collègue et notre cher ami Ashish Gupta. So we were really pleased to have the guidance also from our dear colleague and our dear friend Ashish Gupta, who was our master leader, let's say, and he was giving us many guidance in this regard on PGS. And also, we've been really inspired also by INRA and FAO by their book Enabling Sustainable Food Systems. And that's why today we wanted to work in this topic and to start to build something in the reality. So here again, I address a big thank you to Ashish Gupta, to our friend that we are missing him so much today, but for sure we'll be like sending this presentation for him and telling him, yes, we are going to implement this dream, and we started actually to build it. Donc, pourquoi on est convaincu davantage du système participatif de garantie? En fait, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs sessions informatives avec notre scientifique Ashish Gupta de l'FOM. Donc, on est convaincu davantage. On a vu les intérêts d'implémenter un tel système dans notre pays qui va booster l'agriculture biologique en général et elle est un moyen de lutter contre les changements qui traversent notre monde. Donc, un merci spécial pour notre collègue et on va envoyer cette présentation à lui pour lui montrer qu'on est en train d'avancer dans ce projet. Voilà. Yeah, and thank you for your attention. So, yeah. Merci pour votre attention. And yeah, I don't know if someone wants to say something. Otherwise, we will be like moving to the video of the association. Does anyone want to say something? Yeah, go ahead, Jude. Okay, Johanna. I thank you for this presentation. It is actually heavily packed and
If this is the way you organize your trainings, then I want to believe that I don't have a question actually. I just want to commend the way you packaged the previous one. Only that the French version, I didn't enjoy it. Thank you. Okay, thank you, Jude. And now actually I move directly to the video, which is about PGS process that is done by the Tunisian Association of Permaculture. So I don't know if Nede wants to say a few words before I share the video. Yes, thank you. Briefly, the video was developed in the context of sensitizing consumers about their role as actor in the value chain and how they can contribute to these partnerships between farmers and consumers as a first step in the whole process of setting the label. Let's see the video and then we can comment if anyone has a question, and then we can take question Rima and I, and maybe Rima wants to say a word because she's one of those who worked the most on the video. Thank you. Rima, à vous la parole. The floor is yours. Vous pouvez ouvrir votre microphone. Donc, c'est comme Adinadé, c'est une vidéo qui s'est créée pour sensibiliser les gens autour des circuits courts et des systèmes participatifs de garantie en Tunisie. C'est fait en tunisien avec des sous-titres français et anglais. Vous pouvez la trouver sur YouTube et on va en reparler dès qu'on la voit. Vous pouvez bien sûr nous poser des questions sur le processus créatif de la vidéo et comment on a pu en arriver là. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Juste, je vois que Tebonso veut dire quelque chose. Tebonso? Oui, merci Johanna. Vraiment, merci pour ta présentation et je vois que tu as pris du temps et il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Je vous ai pris de court parce que là, je suis sur le terrain et c'est pas facile d'avoir la connexion. Je suis en zone rurale actuellement en train de former. Et puis, j'aimerais poser une question. Quelle est la procédure pour un nouveau producteur qui veut intégrer le système de garantie? Et quelle est la procédure également pour écouler son produit? Quelles sont les étapes qu'il traverse pour être membre? Comment vous appelez les participants, les participants de votre système participatif de garantie? Est-ce que ce sont les membres? Bon, ça c'est ce que je veux savoir. Merci. Merci Tebonso. Donc, je vais essayer de vous répondre même sur chat parce que le temps écoule là très vite. On a exposé en fait le cycle, comment donc, les producteurs et les consommateurs s'engagent à faire le système participatif de garantie. C'est une démarche avec donc une vision qui est commune. Donc, ils vont partir de faire l'analyse de la ferme, la situation de la ferme. Et puis, ils vont être mis d'accord sur les principes de la production que le producteur ou bien l'agriculteur fait dans sa ferme. Et puis, il y a l'élaboration du cahier de charge. Et puis, donc, à la fin, ils vont passer donc, au processus de certification. Donc, c'est une certification tertiaire. Hein. C'est pas comme la certification biologique. C'est une certification à part. Et la certification biologique, elle est
connue et approuvée par le gouvernement. Le SPG, ça dépend du pays. Hein. Il y en a des pays qui, que le gouvernement prouve donc, cette certification. Il y en a qui sont en train de réfléchir sur ce point et autres qui sont donc qui ne sont pas vraiment convaincus par cette certification. Et après, je vous donne des détails, des bons sources sur ça. Mais maintenant, directement, je vais passer à la vidéo parce qu'il y a ce processus et il y a les sous-titres en français. Vous pouvez mieux comprendre. Maintenant, je vais partager l'écran. So I don't know where the. Okay, just okay. One second that I. The link is already in the chat. Yeah. That Mada posted it. Tina, can you open it? Can you share the video? Thank you. Okay, so we'll try. And for anyone where the connection is not good, you can also look at it if you just click on the YouTube video. عائلات تونسية يصرفوا 30-40% من مدخولهم على الماكل. في المقابل، معرفتهم بماكلتهم معرفة سطحية. ما يعرفوش الخضرة من أنا بلاد ولا من أنا ولاية جات، ولا كيفاش تزرعت، ولا بنمات تسقط، ولا شكون زرعها، ولا إذا حط فيها كيماويات. كيف تجي تشوف، منين ينجم يعرف وقت الغلة تتعدى من الفلاح، القشار، الفريجو، لأسواق الجملة، للخضار باش توصل في الأخر بين يديه. من الأخر، بحكم طول سلسلة التوزيع الغذائي وكثرة الوسطاء، المستهلك ما ينجمش يعرف فلوسه لشكون ماشي ولا تأثير الماكلة اللي يشريها على صحته وصحة عائلته. في السنين الأخرى نراو في نسق متصاعد لاستعمال المبيدات في الفلاحة. كمية المبيدات المستوردة المستعملة في الفلاحة طلعت من 4000 طرناتا في 2008 ل 9000 طرناتا في 2018، 130% زيادة في 10 سنين. ونراو زادة في نسق متسارع للأمراض المزمنة والخطيرة، والبحوث أثبتت علاقة هالكيماويات بريسك الكونسير والأمراض العصبية وغيرها. وفي نفس الوقت برشا فلاحين ينتجوا بلاش مواد كيميائية، لكن غلتهم تتخلط مع بقية الغلة وتتباع للوسطاء بسوم رخيص ما يغطيش الكلفة. ما لو قايت نخموا في نظام توزيع مباشر من الفلاح للوكيل بلاش وسطاء، قائم على المسالك القصيرة، يشري من خلاله المستهلك خضرته من أقرب فلاح في منطقته يمارس الفلاحة البيئية. نظام التوزيع يقربنا من ماكلتنا وندعمه من خلاله المنتجين في الفلاحة البيئية اللي عندهم صعوبة في الترويج. هذاك علاش الجمعية التونسية للزراعة المستدامة أسست مشروع شبكة توزيع الغذاء البيئي في المسالك القصيرة وسميته شبكة غذاء مواطن. الفكرة سهلة، الجمعية تقوم بربط مجموعة من المستهلكين مباشرة بالفلاحين اللي يعتمدوا الفلاحة البيئية.
مع بعضهم يقوموا بوضع كرة شروط ينظم كيفية إنتاج الغذاء البيئي ويضبط التزامات الطرفين. من جهة الفلاح يلتزم باعتماد أساليب إنتاج تحافظ على البيئة وصحة الإنسان والتربة، وهذا يمكن من علامة الضمان التشاركي غذاء مواطن. من الجهة الأخرى المستهلك يدعم الفلاح بشراء المنتظم والخلاص المسبق. الطريقة هذه تمكن الفلاح من سيولة باش يخدم بلاش ديون، ويخلينا نختصر عدد الوسطاء ونقسم من كلفة الماكلة وفلوسنا تمشي مباشرة للفلاح، وهكا نتحصل على خضرة وغلة فصلية صحية وفي المتناول. في وقت اللي كثرت فيه الأمراض والتغيرات المناخية وتدمير التربة بسبب المواد الكيميائية، الاستهلاك المباشر حركة مواطنية في اتجاه دعم فلاحة صامدة ومستدامة لصغارنا وتحقيق سيادتنا الغذائية. انضموا لمشروعنا شبكة غذاء مواطن. Johanna, you're on mute in case you're speaking. Okay. So it's a lovely video. As you have seen, it's in Tunisian dialect. So to make Tunisian citizens and farmers and all the population aware about this question of PGS and of sustainable food system. So back to you, Nede, if you want to say something else, or if someone of you, dear participants, want to ask Nede or Rima some questions about this video. You are all welcome. Donc, à nos participants, si vous avez des questions à poser à Nede et Rima, donc vous pouvez les poser maintenant. Ou bien des interactions, des commentaires. Sinon, on va passer à autre chose. Okay, I think that, Donc, comme vous voyez, la vidéo parle un peu de la contextualisation. Elle établit le statu quo. Donc, nous avons une multitude d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Essentiellement, entre la ferme et le consommateur, il y a plein d'intermédiaires. Il y a des consommateurs qui ont envie de consommer une nourriture saine, mais qui n'y ont pas d'accès, même s'ils dépensent beaucoup d'argent dans leur nourriture quotidienne. Et il y a des agriculteurs qui produisent en agroécologie, mais qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. Et leur produit, surtout, n'est pas valorisé. Ils sont en proie des pressions des intermédiaires dans le marché. Voilà, dans ce contexte, le partenariat entre consommateurs et producteurs pour développer des circuits courts et développer des contrats de production avec bien sûr un suivi de cahier de charges développé par les agriculteurs en agroécologie peut être la solution. Bien sûr, parfois, on a des retours des consommateurs que c'est un projet qui prend du temps pour être digéré et bien, et ils prennent du temps pour se l'approprier, mais c'est en train de s'implanter petit à petit. Et je laisse la parole à Rima pour peut-être dire quelques mots à propos de l'écriture. En fait, la vidéo, c'était un travail à deux. C'est elle, en fait, qui a écrit avant que j'intègre l'association. C'est Nadé qui a commencé par écrire le scénario. Et c'était magnifique parce que c'est une coordinatrice de projet. Donc, quand j'ai vu une coordinatrice qui a écrit un scénario et qu'elle a fait bien, elle a fait vraiment bien et super bien détaillé. Je dis ça parce que mes études, c'était du cinéma. Je viens du cinéma, donc j'étais vraiment impressionnée. Et puis, on a retravaillé le scénario, on l'a corrigé. Il y a eu plusieurs phases.
On a fait ça sur plusieurs mois. On a montré le scénario, on l'a lu, relu, corrigé. Après, on a intégré l'équipe. La voix off, par exemple, celle que vous écoutez sur la vidéo, c'est celle du coordinateur de projet cinéma. Caravane Cinéma, c'est Oussem, en fait. On l'a impliqué dans le projet, lui aussi. Tout le monde a été impliqué. Et en fait, la vidéo, ce qui est intéressant, c'est, je pense, et à mon avis, tout ça est parti de la traçabilité, de notre nourriture, d'où vient notre nourriture. Parce qu'à chaque fois, là, personnellement, moi, avant d'intégrer l'association, peut-être avant de décider de partir dans cette grande aventure d'agroécologie et de permaculture en 2013, je ne me suis jamais posé la question d'où vient ce que je mange, pourquoi je mange ça, pourquoi ça au lieu de ça, pourquoi ça a pris autant d'ampleur, pourquoi les grandes surfaces étaient à la mode, etc., etc. Jusqu'en 2013, où j'ai découvert la permaculture et j'ai totalement changé de vision. Et ce qui est intéressant sur la vidéo, c'est la traçabilité. On parle de traçabilité. Il y a plusieurs questionnements qui se posent sur ce sujet. Je pense aussi... l'autre élément, c'est aussi l'agriculteur l'agriculteur qui ne met pas de GM ni de pesticides, mais en même temps, il est obligé de passer par les circuits classiques. Je pense que c'est une grosse perte et pour nous et pour eux. D'où le projet. Je pense que c'est une alternative qui pourrait être très intéressante pour les consommateurs et les agriculteurs si on s'applique à eux, bien sûr, et que ce n'est pas juste un rêve, c'est vraiment un projet faisable. Et voilà, merci à vous. Merci Rima, merci Nédé, bravo, un grand bravo à vous, à la qualité de la vidéo que vous avez diffusé, aussi donc à la qualité des informations que vous avez expliquées d'une façon très simplifiée pour les gens. C'est une vidéo vraiment très très superbe. Merci pour ces clarifications l'idée. Et puis maintenant on va passer à la micro-session de Focus Groups. On va faire des groupes de travail. On va se diviser en 4 ou bien en 5 groupes. Tina, can we do the focus groups right now, like 5 groups maybe? Mm-hmm. Okay. Dans ces groupes de travail, vous êtes appelés répondre à 3 questions. On va vous poster le lien du whiteboard où vous pouvez écrire vos commentaires et vos réponses sur les 3 questions que vous allez trouver dans ce lien. Alors le lien, Raoul a posté le lien. Here, dear participants, will be working right now on focus groups. So we'll be dividing 5 groups, perhaps. And Raoula has posted here the link for the concept board, where you will find 3 questions. And please, for every question, try to express yourself and to answer in question. Tina, maybe she will be providing for you some information about how to do that. Yeah, so I just want to show you, it's very simple, so I'm just going to move over here one moment. So basically you just go on here, so you see this square, this note, and then you click on here, you can choose a color,
and then you can go in here and respond, and then you just write something. That's all. Can you explain in French, Johanna? OK, donc c'est très simple. Tout d'abord, vous allez accéder en tant qu'invité, so guest. Donc, vous pressez sur guest. Et puis, quand vous allez entrer, vous pouvez donc écrire votre nom. Et puis, vous allez trouver ce concept board. Dans chaque nuage, vous allez trouver les questions en français et en anglais. Donc, vous pouvez donc répondre aussi en français. Vous pouvez donc cliquer sur le sticker là en haut. Et donc, vous pouvez sélectionner donc n'importe quel sticker avec la couleur que vous préférez. Vous pouvez le placer donc dans le nuage où vous allez répondre à la question, et vous pouvez écrire donc vos réponses ou vos commentaires. Et voilà, donc puis on va faire le feedback sur ce que vous avez écrit. Donc nous avons 10 minutes pour faire ceci. So Tina, can we go to the guide? And if you have a problem, you know, not everybody has to write. You can also, if one person in the group can do it, they can take notes for the others. Okay, how many minutes, Johanna? We'll be taking like 10 minutes. Mm-hmm. Yeah. Donc, nous allons être partagés maintenant en groupe. Donc, pour ceux qui ont des problèmes donc, à écrire dans ce concept board, donc, il suffit qu'une seule personne se charge de ça, ça sera très bien. Donc, à partir de vos discussions, vous pouvez donc taper les idées qui viennent donc pour vous. On a juste que 10 minutes pour faire ça. Et maintenant, on passe au groupe. OK. On commence. Bonjour, je vais te remettre. Après Ayed, je crois qu'il y a quelque chose et vous devez cliquer pour entrer le... Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Hi, Johanna. Hi, Tina. I think that there is a problem in the link. People are writing that they cannot access. But there are several people in there now, so. OK.
Okay. I wonder if they went to the wrong link. Let me just see. Right, copy link. Tina, can you put me in other in another group? Yes. There is no one in the group two, I think. Yeah, okay. Yeah. So I'll put you in a French group. Coucou Joanne, apparemment on n'est pas affecté en Hatam et le troisième Saziyed, je pense. Quel groupe? Ah oui, quatre, non? Oui. Ok, Elima, on va. Hatam et Saziyed. Oui. B. Ok. So, Aman. Hatam and Saziyed, they are also not affected to room. I'm not sure. Okay, now normally they are affected. On va essayer. Rima, tu peux accéder le groupe? Parce qu'ici, ça dit que tu n'as pas cliqué, mais c'est souvent le problème de la technique. On essaye. En fait, il ne m'a pas laissé le temps de cliquer. Ça fait un truc. Je suis revenue ici. Donc, je fais quitter, c'est ça? Je pars où? Comment je fais ça? Tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. On va faire comme ça. Tu peux cliquer sur le lien. Et donc, tu vas accéder directement à ce concept board. Au dashboard. Ok. Denied. C'est denied. Access denied. Oh là là. So, Tina, I don't know. I just put a new. It's okay. I will write here. Try this one, Rima. I'm just going to see if it works. Mais on peut aussi parler ici, si vous voulez. Guest access. Mm-hmm. There is a guest access. I will write my name right now. Okay. Access as guest. Okay, Slah is here also. Slah, bonjour. Tu peux nous rejoindre pour les réponses sur. Les questions. Donc, I will take. On peut parler ici. Mm-hmm. Oui, exactement. I should take my laptop and go to another place because all the girls are here. And I'm. But it's only 2-3 more minutes, so go ahead and speak in French. Yeah. Alors moi, je participe dans quelque chose qui est similaire. C'est pas PGS, mais c'est. Comment est-ce qu'on dit ça, un partnership avec les consommateurs et les agriculteurs. Le problème est qu'ils espèrent et attendent que je mets beaucoup de temps dans l'initiative. Et c'est difficile parce que j'ai mon travail et j'ai mes enfants. Ouais. Alors, on va avoir une réunion à la fin de la semaine parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide pour aussi pour what's harvesting, pour la récolte et pour faire les, you know, the boxes and everything. Okay. Alors, les choses qui sont vraiment essentielles. Et on va voir quel modèle on peut choisir, comment ça peut marcher. Voilà, donc, ceci est parmi donc, les problèmes ou bien les difficultés que... Lorsqu'on pense à entrer dans un tel process, donc on doit trouver un temps pour faire ceci parce qu'il y a toujours du suivi et il y a donc même dans l'élaboration, ça prend beaucoup de temps.
Mais ça reste toujours utile et ça reste très intéressant au sein de nos communautés. Donc, je ne sais pas, Rima, si vous voulez dire quelque chose, sinon Slair ou bien Haytham. Oui, non, je pense que le challenge avec les circuits courts, c'est d'impliquer les consommateurs en tant qu'acteurs, donc de créer carrément des consommateurs, donc des gens qui sont responsables eux-mêmes. Et voilà, je pense que c'est à partir de ce genre de mécanisme de pensée, on est impliqué dans la société, on veut participer, on n'a plus envie juste d'être consommateur, c'est comme tous les jours juste vraiment s'impliquer dans ce qu'on veut manger ou dans outre le fait de choisir les bons aliments, mais vraiment être acteur dans sa souveraineté alimentaire, je veux dire, parce que ça va plus loin que les circuits courts. Donc, si tu es vraiment un consommateur dont tu choisis d'aider cet agriculteur qui, lui, veut conserver les semences paysannes ou bien l'écologie, il veut aussi prendre soin de la santé des gens, il faut jouer le jeu et prendre sa part de responsabilité. Donc, il faut les responsabiliser, les consommateurs. Donc oui, je comprends ce que vous dites, Tina. C'est vraiment, c'est là où tout doit se faire. C'est vraiment de créer des consommateurs conscients et qui veulent vraiment être impliqués dans leur alimentation et dans tout le processus. Voilà. Évaluer quelles tâches sont pour tous les acteurs pour s'engager et quelles tâches sont peut-être les importantes pour que ça marche. Non? Et si on paye par personne pour le faire ou si c'est la communauté qui le fait. On a encore quelques secondes jusqu'à les autres rejoindre. Perhaps can we extend a bit the time for this, or maybe too late? No, we're back. Yeah. Okay, so what we are doing right now, we will be trying to have some testimonies from our participants directly, since we had have this technical problem. So we will be like hearing from them some answers for the questions. Yeah. Okay. Excusez-moi, Johanna. Faites une... On n'a pas pu accéder au groupe, hein, focus groupe. Oui, donc il n'y a pas de problème, Faiten. On va essayer maintenant de poser les questions et donc d'avoir des réponses, entre autres, donc des participants. Donc, d'accord, merci. De rien. Donc, je vais voir les questions. Voilà. Donc, pour les questions, oui. Can PGS be complementary with the organic certification and why? Donc, est-ce que le système participatif de garantie peut être complémentaire donc, à la certification biologique et pourquoi? Qui veut répondre sur cette question? Donc, un volontaire. So, exactly. So, can PGS be complementary with the organic certification and why? Some of the participants should answer for this question. Haytham? Oui. Donc, merci. Donc, concernant le système PGS, je pense qu'il ne peut pas être un complémentaire, mais plutôt un initiateur à la certification biologique. Vous connaissez bien sûr que la certification biologique doit répondre à des normes spécifiques pour la production biologique. D'ailleurs, l'EFOAM fait une initiation, les bases de la réglementation. Donc, le système PGS peut être initiateur à la certification biologique. Du fait que le compromis qui peut être fait entre l'agriculteur et consommateur
dans le système PGS risque de ne pas être conforme à la réglementation biologique. Mais comme initiation à la certification, oui. Ok, merci Haytham. Donc, qui veut répondre à cette question aussi? Who wants to respond to this question? Yeah. Oui, oui, Nede, vas-y. Le microphone, Nada. Par rapport à être initiateur, oui, peut-être. Mais dans une certaine mesure aussi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Par exemple, pendant nos recherches et prospections sur le terrain, on connaît des agriculteurs qui sont certifiés biologiques, mais qui ont du mal à commercialiser là où ils sont. Donc, si, et pourtant ils payent, mais la capacité d'absorption du marché est très, très faible en Tunisie, surtout avec le coût exorbitant de la certification et aussi l'incapacité peut-être d'exporter pour générer, enfin pour rentrer dans ces frais. Et du coup, ils peuvent, ces agriculteurs-là, c'est un potentiel aussi très très grand pour la communauté locale qui cherche à s'alimenter sainement et qui a besoin qui a besoin de savoir comment est produit son aliment, mais aussi parfois. Tu as cette question des consommateurs qui te disent, mais qui me dit que le label bio est un label fiable? Et si l'agriculteur va déverser des produits chimiques après l'audit, des questions de ce genre. Donc, en fait, ça n'empêche en rien d'avoir un PGS en plus de la certification biologique pour avoir l'œil du consommateur, parce que ici, le consommateur, il va être validé, il va valider que ça, c'est une ferme en laquelle on peut avoir confiance. En plus, on peut aussi, à travers le PGS, renforcer l'esprit communautaire entre les agriculteurs et entre les consommateurs en soi, et renforcer le corpus d'informations à propos de l'agriculture saine et résiliente. Chose qui n'existe pas forcément avec la certification qui est faite par les tiers. Là, la certification communautaire, elle accumule le savoir dans la communauté et permet de tisser des liens qui sont durables sur le long terme. S'il vous plaît. Oui, faites. S'il vous plaît, à mon avis, c'est l'agriculture biologique, un produit qui est certifié biologique, c'est un produit de qualité. Lorsqu'un produit, un produit biologique, il y a toute la traçabilité de ce produit, de l'amont à l'aval. Donc, on ne peut pas dire que lorsqu'il n'y a pas une confiance, moi, à mon avis, ce n'est pas vrai. Parce que l'organisme de contrôle et de certification va procéder à la certification du produit le long de la saison de cuire et même après. S'il y aura, comme a dit Madame Nadine, l'utilisation de quelques intrants chimiques, entre parenthèses, qui est impossible, il y aura des résidus dans le sol ou bien dans les plantes. Donc, ici, on ne peut pas, aucun agriculteur bio qui peut faire cette application même après l'audit. Donc, ici, un PGS avec certification bio, c'est l'idéal, à mon avis. Donc, c'est ça. Je ne sais pas l'idée. Juste, Johanna, pour clarifier quelque chose à Madame Fetten, merci d'avoir rebondi. Il ne s'agit pas de remettre en question le label bio, de ma part, mais j'étais en train de parler de la perception du consommateur étranger à ce monde des certifications par rapport à la certification bio, puisqu'il est dans la configuration bio, il est hors du système de contrôle. Dans le PGS, il est à l'intérieur, il contribue au système de suivi. Donc, il peut avoir le cœur net beaucoup plus facilement parce qu'il a vu avec ses propres yeux. C'est de ça que je parle, mais bien sûr, je ne me remets pas en question la fiabilité des systèmes biologiques en soi.
Oui, merci beaucoup Nadé, merci beaucoup Fethen. Et ça nous ramène toujours donc à la question des lacunes, des connaissances, comme vous avez donc vécu et vous avez donc entendu donc ces choses donc par les consommateurs. C'est vrai maintenant qu'il est très très important d'intégrer le consommateur et de le sensibiliser sur donc le processus de production de son alimentation. Donc il doit être conscient de la voie de ces produits qui sont sur le marché. Et puis, ce que je trouve qui est très, très important dans le système participatif de garantie, c'est qu'il va encourager les circuits courts. Et donc, le producteur, il va certainement fournir beaucoup d'énergie pour produire et cet effort va être ensuite valorisé parce que le consommateur va savoir toutes les étapes que l'agriculteur fait dans sa parcelle lors de la production. Et donc, ici, avec cet encouragement, avec ces connaissances qu'il va acquérir, ces produits, on va, comme vous avez dit, Nadé, on va tisser donc, de très, très bonnes relations entre la communauté elle-même. Et donc, c'est une économie qui est vraiment durable. Et maintenant, juste quelques mots pour les deux autres questions. Donc, would you be apart from the process of PGS as consumer or producer and why? Donc, est-ce que vous aimeriez donc faire partie donc du processus système participatif de garantie comme consommateur ou producteur et pourquoi? Donc, nous voulons entendre aussi des réponses de nos participants. Qui veut répondre à cette question? Juste une personne ou deux? Dear participants, Robert, can you answer to this question? Okay, thanks so much, Johanna. For this question on whether I would participate in the process of PGS as a consumer or a producer, I would participate as a producer because the producer has more control of what comes to the market. And given the fact that the producer is able to eat what they produce, they are able to control what they are producing and they are sure of what they will be consuming. So in this context, I would be a producer because this would also enable me to produce good quality food for the consumer. Thank you so much. Thank you, Robert. Thank you so much. And now just a commentary. If there is anyone here from South Africa, from our friends, because normally this question is addressed from our colleagues from South Africa. So for our friends from South Africa or others who have been involved in PGS, what did you gain? So for their experiences. Last time we had Busisiwe with us, and she has talked about the experience of PGS pollinators. So they have done this big event just to make consumers aware about the importance of the participatory guarantee system. I'm not sure if any one of them are here. Otherwise, we can go directly to the next session, but before of that, I would ask Khawla if she has some commentaries or not. No, for the moment, no. In my focus group, there is Robert, and he already participated by participating in the plenary session. So we can move to the next session. Okay, Khawla, just Nede, you have raised your hand. You want to say something? Yes, basically after two seasons of work with our farmer, we are witnessing a very interesting change in terms of what she gains.
In the summer, it was very difficult to mobilize consumers because people go to the beach, people are in vacations, and we could not develop a long-term relationship of commerce or buying, sustainable buying. But here, when we in this new season, what our farmer has gains is more stability in selling. Most of the time, she used to sell, before this experience, she used to sell either to intermediaries that come to the farm on the street, or also shops, organic shops. She sells to organic shops, and she's very frustrated because she says she receives only 30% of the market price they set in their shops. So it is not a very good relationship for her. She prefers to sell directly to consumers at the conventional market price, and that is totally fine for her. And now we are starting to arrive to one very faithful consumers, very happy consumers, and more stability in terms of selling and an increased revenue for the farm. We are talking about a cultivated parcel of 4,000 square meters. It's not big, but now she is working on an extension because she has seen how this long-term relationship has worked for her, and we are very happy to be able to share this experience. Yeah, this is wonderful and so inspiring, Nadej. Thank you so much. And always the floor is yours, and you can also start directly with your presentation. And then we will be closing and doing the wrap-up. So, donc maintenant, on va continuer avec Nadej pour qu'elle fasse donc sa présentation. Et puis, donc, on va essayer donc de clôturer notre session. Nadej? Je partage avec vous le document dans une seconde. Oui. Alors. D'accord. Donc, notre projet, comme je l'avais mentionné, s'appelle le projet Nourriture citoyenne. Il a commencé en 2020. Il y a deux grandes parties de ce projet. D'abord, un réseau de producteurs en agroécologie et de consommateurs abonnés chez ces agriculteurs. Donc, quand je dis abonnés, parce que comme on va dans une salle de sport, on paye un montant fixe tous les mois et puis on va s'entraîner. Pareil chez les agriculteurs, on paye 4 paniers en début de semaine, début du mois, et après on vient prendre ces paniers toutes les semaines sans rien payer. Cette méthode-là permet une stabilité financière pour les agriculteurs et une possibilité pour eux de payer leurs charges fixes mensuelles. Et c'est un réseau d'accumulation de savoir, parce que maintenant les consommateurs connaissent les producteurs, ils partagent ensemble les pratiques agricoles, mais aussi les doléances des consommateurs. Ça, c'est ce qui est en rapport avec le réseau. La deuxième partie, c'est le label participatif de garantie, qui est un label local et dont on était en train de parler. Donc, cette communauté d'agriculteurs que nous avons suivi, certains en indépendant et certains à travers le projet d'accompagnement en plante à ferme de l'association, sont en train maintenant de développer les bases du label, c'est-à-dire la charte des producteurs, le cahier de charges techniques des fermes et aussi la gouvernance du label. Donc, voici en gros comment se déroule le projet. Nos objectifs, d'abord,
d'instaurer des circuits courts qui réduisent la distance et l'intermédiation entre les consommateurs et les producteurs. De garantir des produits de qualité qui ne nuisent pas à l'environnement, donc que garantissent la santé de l'environnement et garantissent la santé du consommateur. Troisièmement, garantir la stabilité, la traçabilité et la confiance, c'est-à-dire à travers la partie de la labellisation, quand les consommateurs et les producteurs participent au suivi des fermes, ils peuvent avoir plus le cœur net par rapport aux pratiques utilisées par l'agriculteur et par rapport au produit final. Et quatrièmement, c'est la coproduction et le financement alternatif à travers le paiement d'abonnement mensuel pour aider l'agriculteur à avoir une activité soutenable. Donc, je voulais faire un point rapide sur la question du financement participatif. Donc, cette image, elle dit « moi, je produis sainement » et l'agriculteur dit « moi, je produis sainement », le consommateur dit « moi, je supporte et je paye avec constance ». Donc, d'ici vient le concept de l'abonnement ou du contrat de consommation, c'est-à-dire quand moi je paye 4 paniers en avance, je paye un montant équivalent de 4 paniers, aussi je paye un petit montant pour l'analyse effectuée sur les terrains. Donc comme consommateur, je contribue à effectuer des tests sur les produits que je mange. Je partage la responsabilité avec l'agriculteur quand il s'agit des charges de certification, ou certification entre guillemets. Donc, c'est un contrat c'est une forme d'agriculture contractuelle qu'on est en train de développer. Et le contrat, il est coécrit entre les consommateurs et le producteur. Le label de garantie participative, ici nourriture citoyenne, donc il a trois documents fondateurs. D'abord, la charte des valeurs. Pour les agriculteurs, quel est le type d'agriculture qu'on veut faire, quel est le type d'économie dans laquelle on s'inscrit, quelles sont les valeurs que nous voulons partager. Tout ça, il doit être écrit par les agriculteurs. Deuxièmement, le cahier de charge technique, qui est similaire au cahier de charge du biologique, donc comment on traite le sol, comment on traite l'eau, qu'est-ce qu'on met sur notre terrain. Et d'ailleurs, on se croise beaucoup avec l'agriculture biologique dans la mesure où, pour l'utilisation des produits sanitaires et phytosanitaires, il n'est pas permis d'utiliser autres produits que ceux qui sont inscrits sur les listes de l'ACTAB, parce que on veut rester conforme, mais on veut pousser les agriculteurs à ce qu'ils comprennent que c'est pas du jeu. Mais aussi les cahiers de charges techniques mettent le point sur d'autres valeurs qui n'existent pas dans le biologique, dans le sens les conditions de travail dans la ferme, la gestion des déchets dans la ferme, la gestion de la biodiversité aussi. Donc ça, c'est des choses que je considère complémentaires au bio, et peut-être qu'on peut s'étaler un autre jour sur le sujet. Troisièmement, le troisième document, c'est la gouvernance du label. Qui surveille qui? Qui est-ce qui prend part aux enquêtes? Comment on va élire les comités qui vont faire l'attribution du label? Tout ça, on est en train de le développer à travers des ateliers de coécriture. Donc, les ateliers d'écriture participative, je voulais faire un récap en chiffres. Donc, nous avons 30 agriculteurs qui ont participé à ça, 20 consommateurs qui ont participé à ça et 6 spécialistes, entre doctorants dont certains sont au centre de recherche de Sainte-Chatte-Mariam et avec des associations qui travaillent sur l'agriculture écologique. Et le nombre va peut-être augmenter aussi parce que on continue de travailler sur les drafts ce mois-ci aussi, en attendant la validation à la fin du mois. Un process générique a été réfléchi, mais il y a certaines règles encore à spécifier en groupe. Donc d'abord, nous coécrivons les règles qu'on va respecter, le cahier de charge et la gouvernance. Après, on fait les visites de suivi
Plus tard, on fait donc la révision de l'audit, la révision des enquêtes et en dernière étape, l'attribution du label à travers la commission élue par ce réseau-là. Je voulais me concentrer aussi sur voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été difficile. En un an et demi d'activité, donc ça n'a pas toujours été facile. Nous sommes passés par un processus de prospection et de recherche. D'abord, comme vous l'avez vu, les informations dans la vidéo émanent de la phase de recherche. Après un an et demi d'activité, nous avons travaillé avec un agriculteur à Schulfisch, avec un agriculteur Fulkef, avec une communauté de 30 consommateurs. Mais la communauté s'est effritée parce que, par exemple, l'agriculteur, toute la récolte de l'agriculteur a cramé à cause du changement climatique et de la canicule cette année. Une autre expérience qui a échoué avec Schulfisch parce que l'agriculteur a ramené des produits traités de son voisin dont on ne connaît pas l'origine et il a osé les vendre lors d'un événement qu'on a fait à propos de la traçabilité. Donc, parfois, c'est très difficile de faire consentir les gens à ce système et c'est vrai que ça prend du temps. Donc la conviction de départ est très très importante pour venir aux expériences réussies. Nous avons actuellement une communauté organisée de 20 consommateurs avec une agricultrice à Benarouf sur une surface de production de 4000 m2 avec une organisation de la distribution des paniers sur une base de rotation et bientôt une validation du contrat de consommateur. Donc ça, on peut considérer ça comme une expérience pilote qui s'approche d'être indépendante de l'association. Aussi, un autre point positif, c'est que à travers les formations de l'ATP, la sensibilisation, nous avons une liste de bénéficiaires qui ont tardé à rentrer en production cette année à cause du manque de pluie. Mais vous pouvez voir sur la carte qu'il y a un important potentiel d'expansion de cette et de multiplication de cette expérience qui a commencé à Benarouf. C'est prometteur, Inch'Allah. Les challenges. Donc, ce qui est très, très difficile, c'est vraiment la conversion des agriculteurs à l'agroécologie, qu'ils acceptent les nouvelles pratiques qui sont différentes de leur quotidien, leur résistance au changement. Parfois, ça s'avère difficile, même s'il y a un consentement, même s'il y a un esprit d'équipe, voilà, une vision commune, c'est très difficile de faire varier des habitudes qui datent d'années d'activité agricole. Ça, en ce qui concerne la production. En ce qui concerne la consommation, donc, c'est très difficile de faire changer les habitudes alimentaires aux consommateurs parce que nous, on travaille exclusivement sur les produits de saison. Donc, demander à un consommateur en hiver de ne plus consommer des tomates, c'est presque inadmissible pour certains. Donc ça, on y travaille avec un groupe de recettes pour aider à s'échanger les idées. Et aussi, l'acceptation par le consommateur du partage de risques avec l'agriculteur, ça a été un peu difficile au début, mais on commence à venir à une communauté qui est assez solide en ce moment. Donc voilà le résumé de là où on en est. Je suis là pour répondre aux questions s'il y en a et merci beaucoup. Merci beaucoup Nadé, bravo pour la belle présentation. C'est très enrichissant et en fait, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations sur ça. I find it extremely inspiring and also I want really to go in this challenge with you. So yeah, because it's really important to get the engagement of consumers in this process and to support farmers in their production. Yeah, and so if there is anyone that have question,
or we can just ou bien Dima, voilà. Dima, si vous avez des commentaires ou autre chose à ajouter. Le microphone, Dima. Je n'ai pas de questions, mais je vais juste compléter ce que vient de dire Nédé. Comme je l'ai cité tout à l'heure, les consommateurs. Donc, les consommateurs doivent devenir des consommateurs. Et je pense que aussi le challenge dans le projet SPG, c'est vraiment de créer une communauté de consommateurs qui ont la sensibilité et le courage de ne pas que de jouer le jeu une fois, mais vraiment de commencer et de tenir bon et voilà, c'est tout, je pense. C'est tout. Merci beaucoup, Lima. Merci beaucoup. Donc pour oui, faites oui. Merci pour Nadé et Lima. Et je vous félicite et je vous encourage pour ce travail. Ma question, si c'est possible, comment vous faites la fixation des prix? Il y a au niveau du contrat, on paye la somme des achats avant le mois. Donc, comment on fait la fixation, sur quelle base? Et merci. Madame Fetten, je me permets de vous répondre. Donc, la fixation du prix est certainement une des parties les plus difficiles parce que lorsqu'on a commencé, on a affaire à des agriculteurs qui ne sont pas dans un système agroécologique diversifié. Certains sont en monoculture, certains ne calculent pas du tout leurs frais. Donc, il nous a fallu un processus d'accompagnement par rapport à la notation. Et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire en fin d'année, on sera en mesure de créer un système de transparence de prix. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on fait c'est que comparativement, l'agriculteur, s'il vend au marché de gros, il va recevoir peut-être parfois un quatrième de ce qu'il recevrait s'il vend directement au marché. Donc, ce qu'on nous proposons à l'agriculteur, c'est de vendre au même prix que les marchands de légumes et que les consommateurs prennent en charge toute charge supplémentaire du genre une livraison à un point relais ou quoi que ce soit. Ça, en soi, ça constitue un pas par rapport aux finances de l'agriculteur, mais ce n'est pas suffisant à nos yeux. Il faut qu'on arrive à instaurer un système de calcul des coûts pour donner aussi à l'agriculteur son salaire, si j'ose dire, et aussi pour que le système soit il s'autogénère. Autrement, on ne peut pas parler de durabilité. D'accord. Merci, Nadé, et bon travail, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadé. Merci beaucoup, Faiten. Merci à tous. Nous sommes maintenant, nous avons pratiquement fini tout le programme pour cette session et on va faire la clôture de cette session. Donc, je vais parler directement en français parce que nous sommes pratiquement tous les francophones. Donc, un grand merci. Je l'adresse donc à mes collègues Nadé, Lima et Lim pour leur participation à l'animation et à la modération de cette session. Merci infiniment les filles de l'Association tunisienne de permaculture. Vraiment très, très ravie de vous connaître et de travailler avec vous. Et un grand merci aussi, je l'adresse à ma collègue Raoul Mokre, qui m'a trop aidée aujourd'hui. Donc, c'était un grand challenge pour elle, pour moi aussi.
Un grand merci. Je l'adresse à Tina, à Alexandra, à mes amis et mes collègues donc, du Centre technique de l'agriculture biologique, donc Haytham Nouer, Faiten et les chers ingénieurs aussi. Donc, mes amis aussi Inès et Faiten. Donc, Sleh, everyone, Sonia. Donc, merci beaucoup. Aussi, merci beaucoup à nos multiplicateurs de connaissances qui étaient avec nous aussi donc, durant cette session. Merci pour votre patience parce que on a, la session s'est étendue jusqu'à même plus de 2 heures. Et bon, je dois finir donc par évoquer donc les objectifs de cette session. C'était juste de commencer en fait de mettre en réalité notre projet de transfert qui a été basé sur la création d'un réseau pour la dissémination de connaissances sur le système participatif de garantie à partir donc digital tools à partir donc voilà, les plateformes numériques et tout ça. Donc, outils digitaux. Voilà, à partir des outils digitaux. Merci, Lima. Donc, et aussi, donc, nous avons pensé aussi à commencer d'intégrer ou bien plutôt d'introduire cette notion du système participatif garanti à nos multiplicateurs de connaissances au sein du projet Pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord. C'est le temps et c'est très très important de les faire sensibiliser vis-à-vis donc ces systèmes où on trouve donc l'intégration du producteur et du consommateur dans un même environnement, un environnement sain qui est riche en alimentation saine. Et donc, ce sont aussi donc, les objectifs et bien sûr donc, les principes de l'agriculture biologique et du concept de l'agroécologie. Un grand merci s'adresse aussi donc, à mes collègues, les leaders dans le cours Ecological Organic Agriculture Leadership Course. Aussi, je finis ici par évoquer donc, les belles salutations et les belles congratulations to our friend Christelle that she has given birth to a baby in these 2 days. And in this morning, she sent to me a message saying, say hello to everyone, to Tina, to Alexandra, and to my dear colleagues from EULSA. And a big, big hug from my little son to them that I will, I will making him learn about everything in organic agriculture, in agroecology also. So it's a big belief. And it's so inspiring for all of us. So congratulations for our dear Christelle. Final word is just to say thank you for IFOAM for that opportunity that has made for us to learn a lot about the ecological organic agriculture concept, to hear from the experts, to know them closely, and a big thank also for our dear colleague and our master trainer Ashish Gupta. I will dedicate this session for him today, and also a big thank for our principal coordinator in Tunisia for the project Knowledge Hub for Organic Agriculture in North Africa, Mr. Khaled Sessi, that was facilitating also for us the Ecological Organic Agriculture Leadership course for its first part. Thank you also for Jamila, our dear colleague in the project also from Morocco. Also a big thank you for our friends from Egypt. Unfortunately today, they were not able to attend because also they have a big event in Egypt right now. Yeah, and thank you.
Thank you for everything. Thank you. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tout le monde. Bye bye, Tina. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Romain. Bye bye. Je vais vous poser une photo de groupe. Ah oui, ok. Si vous permettez. Faire une capture pour. Si vous permettez les caméras, on veut prendre une photo du groupe. Grace, Zia, Sonia. Yeah. Okay, we wait a second and then. And this Halle. Hello, Grace. From outside. Woohoo! Yeah. Hello, Tina. I'm sorry I was not able to join you, but I've been following silently. Oh, fantastic. Yeah, I've been engaged in another meeting the entire day. What commitment? Yes, a lot of commitments. Congratulations, Johanna. Thank you. You've so done much. A great job. Thank we you. Appreciate what you're doing from Tunisia. Thank you. So, 1, 2, 3, we are taking the photo now. That's wonderful. Thank you so much. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Au revoir.